Bonjour, voilà, je fais cette vidéo car j'avais des problèmes avec les vitres de Mégane 2. J'avais des vitres qui avaient beaucoup de mal à fonctionner quand j'utilisais les boutons. Je vais vous expliquer ça. Donc avant, quand j'utilisais les commandes là, je n'arrivais pas à les faire fonctionner. J'étais obligé de... J'étais pratiquement toujours démonté comme ça, pour les faire fonctionner en touchant les fils et j'arrivais à les faire fonctionner. Donc... faut débrancher ces fils là. Voilà, là, j'ai réussi à faire débrancher le fil. Donc, après, vous avez des languettes là, là et là. Faut pincer les quatre en même temps et sortir le bouton en tirant par là-bas. Donc voilà, le bouton est sorti. Là, je vais démonter ça. On se voit tout à l'heure. Donc voilà, je suis de retour avec une tournevis. Ça, en allant doucement, vous insérez le tournevis là, comme ça. Vous l'enfoncez un peu. Voilà, un côté sorti. Vous faites pareil de l'autre côté. Et voilà. Donc, vous avez comme des... Là, vous voyez. Juste là, des genres de platine. Donc, je nettoie ceci avec ça, comme vous avez. C'est pas une Dremel, mais c'est la même chose. C'est d'une autre marque. Hein. C'est la marque Lidl Parkside. Et j'ai mis l'embout. Brosse métallique et sans trop insister, je vais passer sur les platines comme ça. Bon, j'insiste pas beaucoup parce que moi j'ai déjà fait, c'était juste pour vous montrer. Ensuite, ça se remboîte tout seul. Vous rebranchez le câble, vous remboîtez ça, en sachant que le petit encoche, ça va toujours vers l'arrière de la voiture. Et depuis, j'ai les vitres, elles marchent nickel. Allez, ciao!